Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 25 octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, nous allons dire cette phrase trois fois. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, le plus fort est celui que je nourrirai le plus. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé « Savoure l'instant ». Waouh, savourez l'instant. Pas hier, pas demain, l'instant présent. C'est une carte du quatrième chakra. Quatrième chakra, c'est le chakra du cœur qui se trouve entre les deux seins, sur le sternum, n'est-ce pas? Et sa couleur, elle est verte. Et ce chakra, eh bien, comme il le dit, la couleur verte, c'est l'amour, eh bien, il est relatif à l'amour véritable, à l'acceptation de soi et l'amour des autres, n'est-ce pas? Et lorsque ce chakra est harmonieux, qu'il est bien équilibré, eh bien, votre petit cœur, il est ouvert et vous n'avez pas peur d'aimer. Rien ne peut résister aux vibrations de l'amour. C'est un véritable rempart, n'est-ce pas, contre la tristesse, contre la colère, contre la maladie. Les sentiments sont, eh bien, dénués de conflits et seul le détachement, la sagesse, la compassion, la joie de vivre et la sincérité règnent en maître. Ce chakra purifié et ouvert, eh bien, il nous fait accéder à l'amour inconditionnel, ce bel amour que l'on ne peut ni posséder, ni perdre, parce qu'il est inconditionnel. Par contre, lorsque ce chakra est obstrué, il n'est pas dans l'alignement, il n'est pas harmonieux. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous vous acceptez difficilement. Vous vous sentez mal aimé, vous vous sentez rejeté, ou alors vous avez peur d'aimer et d'être aimé. Vous masquez votre manque d'ouverture à l'amour derrière une froideur. Froideur qui vous éloigne de vous-même et des autres. Vous avez un masque d'une froideur incroyable. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce les conséquences de ce que vous avez vécu? Dépendant pourtant de l'amour des autres, paranoïaque, indécis dans l'attachement des personnes et des choses, eh bien, vous avez peur d'être rejeté et l'indifférence, cela vous foudroie. Il y a des solutions, n'est-ce pas? Il y a des solutions à tout. Et la solution, eh bien, c'est rayonner l'amour en toutes circonstances, en le faisant naître de l'intérieur, surtout sans attendre qui ne viennent de l'extérieur. Prendre soin de vous en premier lieu pour ensuite déborder d'amour et d'énergie pour les autres. Voilà la solution. L'interprétation de cette carte savoure l'instant. Lorsque tu as un petit coup de blues, comme l'impression d'avoir un voile gris sur ta vie,
eh bien ton petit cœur te demande de te recentrer. De te recentrer, pour cela, eh bien, il souhaite que tu te concentres sur lui, que tu balayes les idées parasites, focalisées sur le passé ou l'avenir, et que tu sois pleinement dans, eh bien, l'instant pour capter la beauté du monde. Hier, c'est passé, demain n'est pas là. On vous invite à vous concentrer sur chacun de vos sens. Active le toucher, active l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. Et sois à l'écoute. Sois à l'écoute de tout ce que tu perçois. Si des pensées te traversent, eh bien, laisse-les passer sans les retenir. Capte la beauté en toute chose, en toute scène, même dans un grain de sable, dans l'eau qui coule, sur ta peau, sous la douche, ou un moment en famille. Sens ton petit cœur s'ouvrir et se répandre. Et quand tu es dans l'instant, eh bien, tu te relies à ce petit cœur inévitablement. Et c'est lui qui rayonne l'énergie d'amour dont tu as besoin pour te réunifier intérieurement. Savoure l'instant présent. Hier est passé. Demain, on n'y est pas. Quel beau message. Waouh. Allez, on termine avec ne plus avoir peur. Lorsque j'entreprends une tâche, je me concentre sur les étapes de sa réalisation. Je les envisage au fur et à mesure, l'une après l'autre. Il est ainsi possible, eh bien, d'oublier le résultat, de s'en détacher. L'esprit est occupé à quelque chose d'utile. Ça peut être la réalisation, n'est-ce pas ? Au lieu d'être focalisé sur quelque chose de stérile, c'est-à-dire la peur de l'échec, parce que ça, c'est stérile. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.